Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui j'ai eu envie de consacrer mon temps à un sujet qui intéresse beaucoup de monde, qui est comment bâtir son empire. Alors la construction d'un empire et la volonté de bâtir un empire, elle est au fond hyper subjective. Qu'est-ce qu'on appelle un empire? Pour certains, le fait de construire un empire, ça va être d'acquérir leur indépendance, une indépendance au niveau temps, géolocalisation, être capable de choisir l'environnement dans lequel on va vivre. Pour d'autres, bâtir un empire, ce sera une indépendance financière avec une appétence à l'argent qui est importante. Donc voilà, ça dépend de chaque personne et on ne fonctionne pas de la même manière et on n'a pas les mêmes objectifs dans la vie et on n'aspire pas aux mêmes choses, et tant mieux. Par contre, dans toutes vos aspirations, en fait, dans le fait de bâtir un empire, à mon sens, il y a quelque chose qui doit être commun à l'ensemble de vos projets, même s'ils sont complètement différents vos objectifs. En fait, le fait de vouloir bâtir et construire son empire, en fait, ça va vous demander déjà d'une d'apprendre de la patience, car pour bâtir et construire quelque chose, il faut du temps. Si vous prenez votre temps, meilleures seront les fondations de votre, je dirais, votre pyramide, en fait, votre pyramide de progression personnelle, sociale. Donc voilà, la patience, bien construire ses bases. Et après, sur ces bases, il va falloir rajouter des strates. Et ces strates, vous allez les mettre en place par un jeu de méthodologie, c'est-à-dire que vous allez être persévérant. Face à l'échec, vous allez apprendre des risques auxquels vous avez été confronté. Et ces risques, vous allez les transformer en futures opportunités. Donc voilà, ça c'est prendre du recul. Et pour ça, il n'y a que le temps et la patience qui vous aidera. Donc il va falloir être vaillant, comme je vous ai dit, parce que c'est grâce aux échecs qu'on arrive aux plus belles réussites. Donc il faut être vaillant parce que vous allez accuser certainement des échecs. Après, en termes de méthodologie, je dirais que si vous voulez avancer et construire votre empire, il va falloir acquérir des bases de méthodologie. Dans la base de méthodologie, ça sous-entend quoi? Ça sous-entend simplement qu'il faut que vous soyez organisé, en fait. Par exemple, on image et on illustre, vous connaissez tous les organismes ISO. Alors ISO, c'est un organisme de certification, en fait, qui est mis en place dans les entreprises depuis beaucoup, beaucoup d'années. On va le retrouver en qualité, en sécurité, en environnement, sous les formes de différentes certifications. On va avoir l'ISO 22000 dans l'agroalimentaire, l'ISO 9001 de façon générale. Dans les services, vous allez avoir l'A 14000 qui est reliée à l'environnement, l'A 18000 plutôt sécurité et santé humaine. Donc voilà, moi ce que je veux vous dire, c'est développer une méthodologie, travailler une méthodologie, inspirez-vous également des entreprises dans lesquelles vous travaillez et des méthodologies de progression et d'amélioration continue qu'elles utilisent. Tout ça, ça dépend un peu d'une méthodologie, on va dire, qualité. Dans la méthodologie qualité, vous allez un peu toujours procéder de la même manière. Je vais vous donner quelques outils. C'est-à-dire que vous allez faire une sorte de pré-diagnostic ou d'audit. Donc, en quelque sorte, ça revient à faire un état de l'art. C'est-à-dire que vous avez besoin, vous avez des idées. Il vous faut recueillir de l'information, en fait, pour être à même d'aller regarder l'information. Et puis surtout de la comparer et de vous faire votre propre idée. Donc pour ça, vous allez faire une sorte de benchmark. Vous allez récupérer plein d'idées. Donc vous faites aussi ce qu'on peut appeler un état de l'art, en fait. En fait, vous allez visiter qu'est-ce qui est existant actuellement et qui pourrait répondre à votre besoin. Et puis une fois que vous allez faire le tour de l'existant, vous allez prendre du recul et en fait vous allez faire votre propre diagnostic. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des risques dans ce que vous voyez? Est-ce qu'il y a des opportunités? Et est-ce que ces informations que vous captez, en fait, elles sont transposables à vos aspirations et votre cas de figure? Donc voilà, à vous de faire votre analyse, votre diagnostic, et puis après d'être votre propre analyse de risque, analyste de risque de votre vie, c'est-à-dire prenez du recul
quels sont les risques et les opportunités face à l'information et quelle est mon opportunité de transformer les risques en d'autres opportunités. Donc là, c'est-à-dire que plutôt que d'être passif avec des objectifs et de se dire « ouais, mais non, ça arrive qu'aux autres », réfléchissez à comment impulser, comment catalyser justement la transformation de ces risques en opportunités ou comment tout simplement optimiser la survenue de vos opportunités. Donc voilà, ça c'est une méthodo. Donc pour ça, soyez organisé. Donc maintenant, si on illustre avec un exemple de base dans votre vie, vous avez l'impression d'être complètement débordé et de ne pas arriver à concrétiser vos objectifs. Alors moi, je vais vous donner une méthodologie qui est toute simple. C'est comme au travail, vous allez prendre tout simplement votre cahier. Vous avez un cahier du jour. Sur ce cahier du jour, vous annotez la date et la veille, avant de commencer votre journée, notez la liste de ce que vous avez à faire. Et face à la liste de ce que vous avez à faire, notez trois niveaux de priorité. C'est-à-dire que la priorité numéro une, c'est ce qui présente le plus de risques. Ça peut être un risque financier ou autre. C'est vous avez de l'administratif à faire et il y a beaucoup d'argent en jeu. Donc ça, vous allez le traiter de suite. Dans la deuxième action à réaliser, en fait, ça peut être une mise à jour d'adresse pour votre contrat assurance auto. Bon, ça, c'est pas primordial, mais c'est quand même un risque qui pourrait survenir si vous avez un problème d'accident, puisqu'il faut savoir que souvent, si vous n'êtes pas très à jour, en fait, les garanties sont difficiles à mettre en place. Donc, restez à jour et rigoureux. Donc, ça, c'est de la méthodologie. Et puis, pour les actions de type 3, c'est les actions qu'on va dire un peu plus. C'est celles que vous avez le temps de boucler dans votre journée en fonction de vos temps libres. Donc, voilà. Donc dans votre cahier du jour, si vous poussez un peu le vis de la méthodologie, c'est essayer de vous faire en fait un plan d'action. Alors voyez un plan d'action jamais trop long terme parce que le monde est très changeant et vous allez vous prendre la tête pour essayer de mettre en place des choses qui peut-être ne seront pas réalisables parce que vous n'aurez pas pris en compte la présence de différents facteurs externes qui vont influencer votre plan d'action. Donc essayez de rester le plus réaliste possible. Donc pour ça, faites en premier lieu un plan d'action à court terme qui va répondre à vos besoins ou vos difficultés ou à votre souhait de vouloir battre ce que vous appelez votre empire. Votre empire, il va être construit en différentes phases. Ça peut être le premier point court terme. Donc le court terme, c'est je commence à lancer mon projet, c'est le plus difficile. C'est ce qui va vous consommer le plus de temps et c'est peut-être un investissement de temps mais qui ne vous servira pas. Néanmoins, gardez en tête que toutes les expériences sont enrichissantes et bonnes à prendre et même si vous ne concrétisez pas ce plan d'action court terme, et bien justement profitez de cet apprentissage pour justement le modifier ce plan d'action court terme et essayer de le rendre faisable. Et une fois que vous avez mis en place un plan d'action qui vous paraît correct, qui vous paraît cohérent, périn et faisable dans le temps, vous allez pouvoir déployer une stratégie et un plan d'action à moyen terme et voire à long terme. Et si vous, à mon sens, vous voulez construire un système sur des fondations, on va dire vous avez une pyramide, vous voulez battre votre pyramide, le sommet de votre pyramide, comme je vous l'ai dit, c'est hyper subjectif, vous allez avoir des gens avec des cibles beaucoup plus basses, c'est-à-dire un sommet de pyramide beaucoup plus basse, mais par contre ils auront des fondations très solides et très larges, c'est-à-dire qu'ils vont se suffire de choses qu'on va dire fondamentales. Et puis vous avez les autres, je dirais ceux qui présentent pour moi peut-être le plus de risques, c'est ceux qui aspirent à une progression très 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 rapide, mais tellement rapide qu'en fait ils auront mis beaucoup de couches et de strates dans leur pyramide pour atteindre le point le plus haut du sommet. Mais cette pyramide, en fait, comme sa base, elle ne va pas être large, c'est-à-dire qu'elle ne va pas être très étroite, parce que vous n'aurez pas mis beaucoup de temps en fait à développer en fait, ces valeurs fondamentales, elles risquent d'être instables, votre pyramide. Elle ressemblait peut-être à une tour de Pise, quoi. Mais après, la tour de Pise, elle tient. Hein. Donc, même si votre pyramide, elle est bancale, elle peut tenir. Hein. Elle peut tenir.
Donc voilà pour le rappel et le petit aspect en fait méthodologie. En fait, c'est pour moi en fait la valeur la plus importante, c'est la valeur temps justement, parce qu'on vit dans une société où on manque tous de temps. Et pour moi en fait, si vous deviez vous projeter sur les modèles d'une entreprise en fait, et sur l'organisation qualité d'une entreprise, avec vous avez dans une entreprise, vous avez tout ce qui est pilotage management. Le pilotage management, c'est la partie haute de la pyramide d'une entreprise. Là-dedans, vous allez trouver les audits, les indicateurs, enfin tout ce qui va permettre à une entreprise en fait de restituer ce qui marche ou ce qui marche pas dans une entreprise. On appelle ça un peu aussi des KPIs, des indicateurs, etc. Donc ça, c'est ce que va utiliser une entreprise en fait pour s'améliorer, et donc aller vers l'amélioration continue. Pour ceux que ça intéresse, c'est aussi un peu ce qu'on appelle la roue de Deming en fait. C'est une roue en fait. Cette roue, elle est divisée en quatre parties, et c'est ce qu'on appelle le PDCA, Plan, Do, Check, Act. Et en fait, c'est planifier, faire, agir et revérifier continuellement ce qu'on fait. La roue de Deming, elle est souvent représentée sur une pente. Cette pente, en fait, moi, je pourrais l'illustrer par votre ambition, en fait. On a tous une pente qui est complètement différente. Et forcément, plus votre pente, elle est grande, et plus vous allez mettre beaucoup d'énergie pour faire monter votre roue de Deming, qui est en fait votre roue d'amélioration continue, votre roue de développement personnel. Et elle va avoir beaucoup de mal à monter, cette roue. En plus, cette roue, il va falloir que, pour pas qu'elle descende, vous mettiez une bonne cale. Et cette cale, en fait, pour moi, c'est l'organisation, la méthodologie, et voire même l'utilisation d'outils qui aujourd'hui arrivent. Et ce que je prône, c'est les outils, en fait, on va dire alternatives, les outils qui tournent autour de l'innovation. Parce que bien souvent, quand on aspire à des objectifs, ce qu'on va regarder en premier, en fait, c'est la faisabilité, puis la pérennité. Et on va regarder les outils traditionnels qui s'offrent à nous, en fait, pour rendre notre projet faisable. Et parfois, on est face à un mur, en fait, parce que le système traditionnel, il ne nous permet pas de concrétiser nos projets. Et aujourd'hui, je pense qu'il convient justement d'être curieux et de s'ouvrir l'esprit pour essayer de rechercher, en fait, des solutions alternatives qui vous permettraient justement de concrétiser votre projet et d'aspirer à votre volonté de bâtir un empire, quoi. Donc voilà, et ce qu'il faut voir dans les opportunités d'utiliser des outils, par exemple, un peu innovants, c'est qu'en fait, ces outils, ils vont être orientés user first, c'est-à-dire client en premier, satisfaction client. Donc en fait, ils vont presque, ces nouveaux outils, anticiper vos besoins, c'est-à-dire qu'avant même que vous ayez conscience que vous allez avoir des besoins, eh bien en fait, une fois que vous serez face à ces outils, vous allez découvrir que potentiellement, cet outil, il anticipe un besoin que vous auriez pu avoir. Donc voilà en termes de méthodologie comment bâtir son empire. Et puis je dirais qu'en termes de moyens, j'ai plutôt parlé d'un moyen cette fois-ci psychologique, c'est que pour bâtir un empire, il faut être convaincu que vous avez les capacités de le bâtir, cet empire. Et bien ça, c'est la confiance en soi justement. Il faut que vous soyez convaincu de vos aspirations. Après, prenez toujours du recul sur ce que les gens peuvent vous dire. C'est toujours hyper intéressant d'écouter les critiques extérieures, parce que justement, c'est les critiques qui sont constructives. Surtout, gardez l'esprit ouvert et ne vous bloquez pas par rapport aux critiques. Les critiques, elles peuvent être fortes. Ça dépend de la personnalité des gens. C'est hyper variable. Par contre, ce qu'il faut garder en tête, c'est que vos aspirations à vous ne regardent que vous, au fond. Vous êtes la seule personne capable de savoir si vos aspirations sont réalistes ou irréalistes. Et pour ça, il faut se responsabiliser. Il faut être capable de prendre du recul sur soi-même et d'apprendre tout simplement à se connaître. Et ça, pour moi, c'est les bases de la fondation de votre pyramide. C'est le temps que vous avez mis, en fait, par exemple, durant votre éducation également, c'est le temps que vous avez mis en fait pour vous construire des bases solides de confiance en vous en fait. Et tout ça, c'est intégré dans votre système inconscient.
Et donc voilà, il faut travailler la force de votre inconscient. Si vous voulez bâtir un sportif, ben, j'illustrerai par un autre exemple, c'est celui des grands sportifs. Il faut agir tel un grand sportif. Il faut pousser vos limites, pousser les limites de libération de votre adrénaline de façon à être hyper tolérant au stress en fait. Et même si quelqu'un vient face à vous et démonte votre projet, eh bien au contraire, voyez-le comme une chance et justement une chance de rendre ce projet encore plus solide. Et c'est pour ça que je parle du temps. Ne vous jetez pas à l'eau sans réfléchir. Prenez toujours le recul et la réflexion sur vos actions. Et surtout, un point qui est important, c'est dans le fait de bâtir un empire, on vit dans une société où autour de nous, il y a des frontières et il convient de respecter ces limites. Et les limites, elles sont de plusieurs ordres. Pour moi, les limites, en premier lieu, elles sont civiques. C'est-à-dire que vous n'allez pas mettre quelque chose en place qui ne conviendrait pas à la société ou qui irait à l'encontre du bénéfice de la société. Si vous voulez mettre quelque chose en place qui soit pérenne, assurez-vous que votre empire il va pas imputer peut-être sur quelqu'un d'autre. Parce que s'il impute sur quelqu'un d'autre, ça veut dire que tôt ou tard, il y a un gros risque qui est lié à l'ego des gens. Et tôt ou tard, vous pourriez voir votre pyramide s'écrouler. Donc, restez en connexion avec les autres personnes de la société et pensée collective toujours, économie de partage et intérêt collectif. Voilà, je pense que ça, c'est un gage pour moi de pérennité à long terme. Alors, dans le fait de bâtir l'empire, j'ai dit que dans un des risques qui, à mon sens, est majeur, mais ça pour un risque de mal-être collectif, c'est un problème lié à l'être humain et à ce qu'on est, et à notre génotype, en fait, à notre ADN. C'est ce qu'on est, c'est notre ego, et l'humain, il a dans son inconscient une faculté à mettre en place des actions pour lui permettre de survivre. Et dans ces actions de survie, même si ce n'est pas une survie immédiate, il y a aussi l'envie d'augmenter son confort. Et pour ça, pour augmenter leur confort, dans notre tête d'humain, parfois on est prêt à imputer sur les valeurs civiques. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui était justement à contrôler. Équilibrer toujours votre civisme, à mon sens. Parce que si on veut apprendre à respecter notre environnement, respecter notre planète et éduquer nos enfants de façon à ce qu'on ait une planète tout simplement plus propre, je pense qu'il faut commencer à nous éduquer nous-mêmes maintenant. Et à partir du moment où on dépasse nos limites et qu'on est un peu hors phase émotionnelle, moi je pense qu'il convient justement de se reprendre en charge et de se restabiliser. Donc voilà, il est possible pour chacun de bâtir n'importe quel empire. Il faut juste avoir la volonté de le faire. Comme je vous ai dit, il faut être vaillant, endurant. Et puis, je crois qu'une valeur que j'adore, en fait, et je constate qu'il y a de plus en plus de gens qui l'ont, et même des gens qui, je trouve, sont, qui excellent, quoi. Ces gens-là, en fait, deviennent de plus en plus humbles. Et tendez l'oreille, écoutez les gens autour de vous, et nourrissez-vous de l'expérience d'autres personnes, tout simplement. Elles peuvent être enrichissantes, même s'il faut garder en tête que l'expérience des uns n'est pas reproductible sur certaines personnes. Vous avez peut-être des personnes qui ont pu bâtir un empire, non pas parce qu'elles ont contrôlé la situation, en fait, même si elles ont été capables de l'impulser ou de la catalyser, bien souvent, en fait, c'est une juxtaposition de facteurs, c'est-à-dire qu'il y a plein de facteurs qui arrivent, des facteurs chance, c'est peut-être quelqu'un de votre réseau, c'est peut-être que vous êtes tombé sur un article sympa et que vous avez envoyé votre CV au bon moment et à la bonne personne, ou alors bâtir un empire, c'est aussi parce que vous avez eu un projet et que tout simplement votre projet, vous avez fait une super étude de marché, un super business plan, et que vous avez détaillé un plan d'action de fou en listant les risques, les opportunités, et vous avez été capable d'aller voir votre banquier en disant « moi je vous assure que mon projet, il va cartonner, c'est une solution pour tout le monde, et je suis même capable de transformer les risques en opportunités pour augmenter l'usage collectif ». Donc moi je vous demanderais justement d'être raisonnable au niveau du taux du prêt que vous allez m'accorder, parce que je suis persuadée du bénéfice réciproque de mon projet.
Donc voilà, c'est plein d'illustrations. Donc voilà, il y a plein de facteurs clés qui vont faire que vous allez être capable de bâtir un empire. Donc là, je vous ai cité l'exemple du financement de votre projet, parce que vous pouvez bâtir un empire grâce à un projet professionnel, mais également personnel. Votre empire, il peut être juste, comme je vous disais, votre développement personnel et le fait d'être tout simplement plus disponible pour votre famille et vos amis. Et en fait, votre empire, c'est juste votre liberté et votre autonomie. Donc, bâtir un empire est au fond très, très, très subjectif. Donc voilà, apprenez à vous connaître vous-même, établissez des plans d'action, soyez méthodologique, diagnostique, analyse stratégique et gérez votre vie un peu comme vous le faites dans les entreprises que vous travaillez ou si c'est pas votre vocation, apprenez à le faire, c'est pas très compliqué, en fait ça s'appelle de l'organisation de la méthodo. Achetez-vous un cahier, notez la date comme je vous ai dit, listez les actions que vous avez à faire, notez les priorités de réalisation de 1, 2 à 3. Et à côté, vous pouvez même utiliser 3 stabilos, c'est-à-dire que le stabilo vert, ça veut dire c'est traité, le stabilo orange, ça veut dire que c'est en cours, et le stabilo, on va dire rose, ça veut dire que y a un problème sur l'action et que elle reste ouverte parce qu'il y a un risque. Donc ça veut dire que ce sera à retraiter et que ça va demander un peu plus de temps. Et ce qui était par exemple mis en priorité 3 pourra rebasculer sur votre calendrier par exemple le jeudi en priorité 1 parce que votre assureur vous a appelé et qui vous a dit qu'en fait comme vous n'avez pas fait la mise à jour de votre changement de domicile, votre couverture d'assurance, elle ne vous prend pas en charge en fait. Donc là par exemple, ça devient un risque 1 et il vous importe de traiter cette action pour être en conformité réglementaire dans le cas de figure où il vous arriverait un accident. Santé, sécurité, toujours d'abord. Après, moi en 2, je mets toujours en 1, voire les risques financiers, notamment au niveau des pertes, tout ce qui est les frais de gestion, les frais de tiers également, faites très attention à vos frais de tiers. C'est-à-dire que les frais de tiers, c'est quand vous avez un projet, ça peut rendre votre projet un peu plus délicat à mettre en place. Je reviens par exemple là, vous êtes un porteur de projet, vous avez un projet, il est super intéressant, mais dans les opportunités de réalisation de votre projet, en fait, dans vos étapes et votre plan d'action, c'est-à-dire lever un financement et aller voir un banquier pour avoir ce prêt, il y a quelque chose que vous n'aurez peut-être pas noté et qui va être un risque hyper important, c'est que par exemple, vous allez faire un prêt avec des taux capés ou des taux variables. Et les taux variables, attention, ça fluctue les taux variables. Donc attention dans vos plans d'action. Donc vous avez le prévisionnel et vous avez la réalité. Et même dans la réalité, faites le tour de vos contrats et listez bien les risques de vos contrats. Voilà, ne travaillez pas pour rien, ne perdez pas d'énergie, ne perdez pas de temps et surtout ne perdez pas d'argent. On en a tant besoin et il nous manque tant. Et la vie est tellement difficile pour de très nombreuses personnes. Donc voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider un peu à vous y retrouver. Le but, c'est que vous gagnez en organisation, en confiance en vous et que vous augmentiez votre taux de réalisation. J'espère que vous me suivrez pour une prochaine vidéo et puis au plaisir de traiter un prochain sujet. Voilà, à bientôt !